tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est la magie. N'oubliez pas. Coucou les petits amis. Coucou. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que nous avons là? Des produits américains. Des produits américains. Plus précisément, nous avons des friandises, donc des bonbons, que du sucré en fait. Donc tout ça vient de My American Market. Voilà, qui est une boutique en ligne dans laquelle on peut se procurer quelques produits qui viennent des États-Unis. Mais j'arrive alors, pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez ouvrir en premier? Moi, l'anglaise verte. Alors, on va ouvrir d'abord ce que Valentin veut. Donc, on va ouvrir le réglisse verte. Et moi, alors, je vais ouvrir ça. Oui, ma chérie, on ouvrira. Alors, apparemment, c'est du réglisse. Aux États-Unis, c'est très répandu. C'est du Laffy Taffy. C'est de la pomme acide. Donc, on va l'ouvrir. Alors voilà, ça se présente comme ceci. Donc j'en donnais un bout à Océane. Et un bout pour maman. Bon, j'ai dû prendre des ciseaux parce que ça se coupait très très mal. Alors peut-être parce que nous sommes en été et qu'il fait très très chaud. C'est peut-être pour ça. C'est super bon. Alors c'est super bon? Mmh. Et voilà. Sent pas le acide. Un petit bout. Moi. Oh, il est vert comme mon vernis à ongles, vous avez vu? Super. Ouais. Alors je goûte. Et comme le mien. Est-ce que c'est pas acide? Oui, comme le mien. Non. Mais c'est super bon. Mais ça ressemble à des bonbons qu'on a déjà chez nous à la pomme. Moi, je trouve que c'est pas trop acide. Hein. Non, je sens pas l'acidité. Je trouve que c'est beaucoup sucré, mais pas trop acide. Ah, Océane, on ouvre quoi alors? Neuf. Je vais donner un petit coup de ciseau. Ou pas. Alors, déjà, je vais montrer aux petits copains à quoi ça ressemble. Donc, c'est un œuf de la marque Wonka. Donc, à l'intérieur, il y a plein de petites friandises surprises. Ça va être trop bon, ça. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Océane, qu'est-ce qu'on ouvre ensuite? Ça? Oh ben je crois qu'Océane m'a déjà ouvert. Donc voilà, ce sont des peps. Alors c'est à la crème goût vanille. Alors, ce sont des chamallows en forme de cœur. Et à l'intérieur, il y a caramel. Merci ma chérie. Alors voici trois, si comme ça se présente. Alors. Bon. Un cœur. Alors on goûte. C'est bon. C'est beaucoup sucré. Hein. Non. Voilà. Donc moi je pensais qu'il y avait de la crème à l'intérieur, mais il n'y en a pas. Mais c'est qu'ils ont le goût de la vanille. Et autour ils ont du sucre. Il y en a comme sur mes doigts là. Ouais, peut-être un peu. Ouais, comme ça, je vois aussi. Ils ont du sucre hein, qui est un peu craquant. Moi aussi, ça. Mais après, il est très, très moelleux. Oh. Il est très, très fond dans la bouche et ils sont super bons. Ils ont vraiment un vrai goût de vanille hein, à l'intérieur. Ah bah, ça, c'est des vrais. Hein. Bon, bah. Ensuite, qu'est-ce que tu veux goûter, Corinta? Ça. Alors. Ceci est la même chose, c'est la même chose bon, que celui à la pomme qu'on a goûté tout à l'heure, voilà, celui que Corentin montre. Sauf que c'est au. Merci. Au blue. Non, je pense que c'est à la mûre, voilà. Donc on va l'ouvrir. Non, non, non. Je suis en train de l'ouvrir. Et je vois une super couleur bleue. Comme si on s'était fait schtroumpfer par un bonbon. Donc voilà, il est d'un super bleu. Alors ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il y a marqué sans arôme artificiel. Pas sans colorant artificiel, ça m'étonnerait. Alors Océane, tu as goûté toi?
Mais... Oh non, ça est en train de manger encore des chamallows. Mais il va peut-être pas falloir. Il va peut-être pas falloir manger tout le paquet parce que ça va faire un peu beaucoup. Et on hein. laisse un peu pour papa. Oui, on en laisse un peu pour papa, oui. Pour qu'il goûte. Pour qu'il goûte, oui. Mais bon, bah, après, il faut pas manger trop de bonbons non plus. Non, parce qu'on peut avoir mal au ventre. Oui, après, on peut avoir mal au ventre. Hein? Et on peut avoir des caries. D'ailleurs, je trouve pas. Alors, il faut bien se brosser les dents après avoir mangé les bonbons. Ah, je trouve pas du tout. Alors, voilà. Donc, moi, je goûte aussi. Je trouve pas du tout le goût, mais c'est acide. Hein. Ah oui? J'ai déjà fini moi. C'est un petit peu acide et ça a le goût de la mûre. Ah, beaucoup. Je préfère quand même la pomme. Ouais. Moi, c'est les deux pour l'instant. Moi, je préfère la pomme. Ensuite, vous voulez goûter quoi? Ah, par contre, ça fait la langue bleue. Oh, vos langues! Elle va vous l'enlever! Tu veux voir ta langue, Corentin? Ah! La langue toute bleue! Tu veux voir ta langue, Corentin? Ouais, la langue toute bleue! Bon, alors maintenant, vous voulez goûter lequel? Moi aussi, hein? Moi, j'aime moins! Vous préférez lequel, le vert ou le bleu? Moi, les deux! Moi, les deux bras. Alors, le rose, c'est pareil, à notre goût. Mais à la fraise. C'est à la strawberry. Donc, c'est à la fraise. On va ouvrir. Donc, ça se présente toujours pareil. C'est parce que c'est trois réglisses de la même collection. C'est normal, des différents goûts. Voilà, tout à fait. C'est ça. C'est la même collection. Enfin, c'est le même bonbon, mais en goût différent. Ouh là là! Alors là, je découvre un bonbon, mais qui est d'une couleur encore plus flashy que mon vernis, quoi. C'est, oh, c'est un rose rouge. Oh, c'est rose rouge, quoi. Hop. Un bout pour Corentin. Oh bah, il est gentil, ton frère. Et un bout pour Océane. Non, pour Corentin, du coup. Ouais, est-ce que je lui ai donné Et un petit bout pour maman. Alors, les goûts me font penser, voilà, je l'ai trouvé au carambar, aux fruits. Ouais. Il est bon. Celui-là, il est super bon. Oui. Alors là, mes préférés, c'est les trois là. Alors moi, je reste encore. Celui que je préfère, mais quand même, moi, celui que je préfère, c'est quand même celui-là, la pomme. Les trois. C'est, ouais, c'est celui que je préfère. Bon, bah, moi, j'ai pas de choix. Ensuite, ah, ça? Moi j'ai pas le choix. Ça, va goûter ça. Alors fais-moi voir ça. Alors ça, ce sont quoi? Ce sont des... Alors ça, ce sont des petits bonbons très répandus aux États-Unis. On en trouve de partout. Il y a plein de goûts différents. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a deux compartiments différents. Ouais. Donc là, on a pris... Alors là, c'est des nouveaux. Alors celui-là, il est... le côté là, il est au melon et à la pomme, et le côté jaune, il sera à la cerise et à la limonade. Limonade. Alors voilà comment ça s'ouvre. Alors c'est super sympa, moi j'aime bien. Moi je veux pas goûter. Tu veux pas goûter? Tu voudrais goûter l'œuf? Alors voilà, donc ça s'ouvre. Quand tu goûtes l'œuf, en fait c'est pas un œuf. C'est pas un œuf en chocolat, c'est un œuf plein de bonbons. Voilà, et on tire, regardez. Hop, on tire là. Ou on tire là. Hop. Et à l'intérieur, nous avons plein de petites boules. Alors, vous voulez goûter? Ouais. C'est plein de petits trucs, regarde, Océane. Et là, Corentin, ouvre ta main. Moi, je veux les jaunes. Oh, c'est plein de petites boules rouges. Alors. Hop. Tu veux des jaunes aussi ou après? Moi, les jaunes. Moi, après. Ok. Moi, les jaunes d'abord. Toi, des jaunes d'abord. C'est joli. Les jaunes après c'est à la limonade et à la cerise, hein, maman. Alors les jaunes sont cerise limonade, voilà. Donc voyez comment ça se présente. Donc là, je vais goûter les jaunes. Oui, c'est les rouges. Voilà. Donc ce sont des petites boules comme ça que l'on mange. Mmh.
c'est acide, c'est super bon. Ouais, elles sont aussi les rouges. Ah, mais elles sont jaunes aussi. Ou un peu acides. Tu veux goûter les jaunes? Ouais, maintenant. Allez, on te fait goûter les jaunes alors. Les jaunes pour Corentin. Oui. Hop là. Océane, tu voudras goûter les rouges après? Oui. Alors, maman, on va goûter. On va goûter les rouges. Donc, pareil, ça se présente pareil. Donc, voilà. Voilà, les rouges. Et on les mange comme ça. C'est piquant. Hein. Hop. C'est acide. Hein. Les rouges sont super bons. Ouais, c'est pas acide. C'est moi, je trouve que c'est un peu rafraîchissant. On va en avoir des rouges. Hein. Hop. Pour ça, non, là, ils veulent pas se verser dans sa main. Hop là. Alors, regarde, après, on peut faire un mix des deux. Oulala là là. C'est un peu beaucoup, attends. Et on mélange les deux. Miam miam, c'est bon. C'est bon quand t'as de mélanger. Alors on peut faire un mélange, voilà. Moi j'ai pris des rouges, moi j'ai mis un peu des jaunes. Vous voyez, un peu des jaunes, on les mélange et on les mange. Oh. Ah, c'est super bon. C'est super bon. On va maintenant faire des jaunes. On peut faire des jaunes. Moi ça, je vois que t'as déjà commencé à l'ouvrir. On fait maman. Où est-ce qu'on crée? Alors ça c'est un œuf. La 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 la. Mais c'est ma surprise ça. Mais il y a plein de surprises à l'intérieur, dis-donc moi. Donc il y a beaucoup de papier en carton. Hein. Ah voilà, dans cet œuf nous avons des petits fruits comme ça, des petits fruits acidulés. Maman. On a des petits nirs comme ça, voilà, bleu, voilà, un petit format. On a des petits nirs, voilà, comme ça, donc les roses. Donc, pareil, nous avons du Laffy Taffy, mais en format plus petit de poche, on va dire. Et là, pareil, et pareil, voilà. Donc on va goûter. Alors moi je pense que c'est pas la peine de goûter au Laffy Taffy parce qu'on aura déjà mangé. Mais si on goûtait les nirs bleus, pour savoir vous voulez? Ah ouais. Ouais. Oh, ils sont tout mimi. Ils vont voir ça. Oh, regardez. Ils ont la couleur de la schtroumpfette, en fait, moi je trouve. Ils sont trop mimi, regardez. Ils sont trop mimi. Donne ta main, regarde. Et quelle couleur ils sont? Donne ta main. Ah! Océane! On en a trop faim! C'est pas grave, mets tout dans la bouche. Alors voilà à quoi ils ressemblent. Mmh, ils sont trop mimi. Ça c'est pas bon. La rainbow, ça veut dire arc-en-ciel. Je sais bien ce qu'il me semblait. Arc-en-ciel bleu. C'est ma foi. Alors, il y a un goût de citron. Ouais. Orange. Pas trop sucré, c'est acide. Super bon, j'adore. Ouais. On goûte le rose? Ouais. Ah, maintenant on va goûter. Donc le Rainbow Peach. Alors le l'arc-en-ciel rose. Alors attention. Waouh, ils sont mimi. Tu peux voir ça? Hop là. Ouais. Alors tu veux goûter? Oh, chouchou. Je vois pas trop. Océane, tu as goûté les roses? Ouais. Oh, ton chouchou. Mets-moi ta petite mine. Chouchou. Oula, il y en a beaucoup. Et maman qui va s'en verser un petit peu. Voilà. Et pareil. Aya. Oh. Ils sont un peu plus acides. Mais là, c'est le goût des fruits rouges. Hein? Ouais. Moi j'adore. Ah ouais, j'adore. C'est super bon. Ah voilà. Et maintenant on va goûter les petits sachets comme ça qui s'appellent les Runts.
Les Wrens, donc c'est des petits fruits acidulés, je ne sais pas. Ah, ah bon, ça, t'as bien ouvert le paquet, d'accord. Moi, je fais une banane entière. Une banane? Tu veux une banane orange? Ah, orange. C'est pas acidulé, les bananes. Alors voilà, moi j'ai une petite boule orange, on va voir ce que c'est. C'est beaucoup sucré. Ça pique. Mais oui. Là, vous savez à quoi ça ressemble, ça? Au bonbon, un peu les, le goût des colliers. Ou vous savez les sucettes, mais les sucettes en poudre avec le bâton en carton, un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être les petits copains ils savent. Vous savez, c'est les sucettes, mais qui sont faites en poudre. Pas les sucettes dures. Corentin, tu me fais goûter un rouge là, s'il te plaît. C'est les cœurs. C'est les cœurs. Oh, ce sont des petits cœurs. Ouais, ça me fait penser à ça. Les. Tu sais, les trucs, les espèces de sucettes là en poudre. Que après, ça fait un sifflet. C'était des longues sucettes comme ça là. Qu'on mangeait dans les années 90, 90. Maman. Non, enfin, ça a le goût des bonbons en poudre comme les colliers, etc. Mais ça, ça pique pas. On espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de nous mettre un petit commentaire, savoir déjà si vous avez déjà goûté ou si vous aimeriez goûter. On va vous mettre aussi dans la description où aller acheter ces petits bonbons qui sont super bons d'ailleurs. Et en attendant, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce vers le haut, comme ça. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et en attendant nos prochaines vidéos, on vous dit ciao. À bientôt les amis. À bientôt.